portrait du jeune réel en vieille gare. Les trains sont à l'étable. La ville est fermée. Joe Corona, la carte inattendue. Virus sans tête et queue, début et fin, son grand voyage pandémique et mondial. Il faut parler du réel avec nos vieilles images déjà, les embrassades des poubelles de tri. Une autre voix, on dirait, s'est ouverte. Disque chute, nos vieilles routes. Vire du réel, les ronds-points se réinventent. L'art giratoire ou décroché du réel. Tente à déstabiliser nos repères habituels. Les trains, on dira, de banlieue, d'habitude bondés, sont vides. J'ai vu le train passer, le bruit, la forme, et j'ai reconnu la joie. C'était la même que quand, enfant, attendent des heures et soudain, une marmotte. Confinement, on compte les jours, réflexes carcéraux. Il faut compter avec un peu plus la mort que d'habitude. Les lèvres de solitude, remplacées par plus hygiénique misère. Chaque contact devenu aussi une tension. Paris est tout entière une vieille encombrante. Elles seront quoi après les traces de Corona dans les villes quand Corona ne sera plus qu'une trace? Elles seront où? Je saigne des extrémités, pieds et langue. Monde sur pause. Et le ciel bouche bée. Quand il y avait la crue, j'allais voir la crue. Maintenant, je viens voir ce qui bouge plus. Même les tags sont de vieux repères. Si on coupe la queue de l'époque, elle repousse. Les vieilles proues ne rassurent pas. Victor Hugo. On pourrait croire que c'est l'avril pareil, poireau, vélo, bobo. Si ce n'était ce nouveau réel sur l'ancien visage, ce serait une bonne période pour se perdre. Et pour chasser les faux bâtons des faux bergers. Je vais être l'enfant qui marche, même sur place, pas forcément en marche. Je sais rien faire, mais je veux être un corps qui porte un regard. Confinement de containers tagués. On dira, c'est juste une déviation sur le repère du rond-point.